L'invité d'Atlantique aujourd'hui, c'est Samuel Kaplon, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. I'm delighted to be here. Alors, il y a un peu plus d'un an, Barack Obama devenait le 44e président des États-Unis. Comment est-ce que le président Obama a changé la manière dont le monde voit les États-Unis aujourd'hui ? Je crois que cela s'est fait de plusieurs façons. Il a changé la démarche américaine vis-à-vis les autres nations du monde et fondamentalement, il a aussi changé notre discours tel que donné aux nations du monde. Pendant très longtemps, nous avons toujours parlé d'apporter assistance et aide aux autres peuples. Et bien que ceux-ci ont toujours voulu être nos partenaires, on ne s'est pas comporté comme partenaires. Et maintenant, nous le faisons. Nous disons, nous sommes vos partenaires et nous travaillons et nous allons œuvrer ensemble pour réaliser les aspirations de liberté et de prospérité pour toutes les nations du monde. Il a aussi opéré un très grand changement en termes de traitement réservé aux grandes questions telles que celles de l'Afghanistan, de l'Irak, d'Israël, d'Iran et du Pakistan. En d'autres termes, que nous allons nous atteler le plus rapidement possible à traiter de ces questions en suspens. Quels sont les piliers, les priorités de la politique étrangère américaine aujourd'hui ? Les priorités sont premièrement de traiter et de résoudre les grands conflits auxquels nous sommes confrontés, donc ça serait en fait l'Irak et l'Afghanistan, et aussi de traiter de la question de l'Iran, de la menace nucléaire, et finalement nous sommes en train aussi de mettre en œuvre un programme qui viserait à la stabilisation de toutes les régions du Pakistan et aussi à la réalisation de la paix au Moyen-Orient. Toutefois, nous faisons preuve de la plus grande circonspection car nous sommes là pour aider à mettre en œuvre le processus de négociation, là où ceci est possible, mais toutefois nous reconnaissons que chaque pays a le droit de déterminer son propre avenir. Donc par exemple, pour l'Irak, nous allons retirer progressivement les troupes américaines d'Irak, mais ceci se fera après que la situation soit stabilisée, après qu'il y ait en fait l'avènement d'un gouvernement qui va jouir d'une plus grande maturité et d'une plus grande force en termes de sécurité, ce qui permettrait le retrait de nos forces, des villes et des autres zones en Irak et pour transférer la responsabilité de la sécurité au gouvernement en Irak. L'Afghanistan, ce serait en fait beaucoup plus difficile, nous espérons le faire. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est devenue un immense défi, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le Maroc et pour le reste du monde. Comment est-ce que le Maroc peut collaborer, travailler avec les États-Unis pour mieux lutter contre le terrorisme ? Le Royaume du Maroc est en train de le faire et l'a déjà fait. Le Maroc a engagé le partenariat le plus sophistiqué et le plus agressif en matière de lutte antiterroriste avec les États-Unis d'Amérique. Le Maroc est alerte par rapport à toutes les menaces qui pourraient se profiler. Le Maroc, en fait, focalise l'attention de ses services sur tout terroriste potentiel. Et je dirais que votre pays a réalisé tous les objectifs en termes de traitement expéditif du terrorisme dès que celui-ci fait surface. Nous avons certains mécanismes techniques que nous avons mis au point et que nous partageons avec le Maroc. Les leaders marocains viennent à Washington, nos leaders viennent ici et je dirais que nous avons mis au point un réel partenariat. L'une des choses que l'on se souviendra cette année qui a marqué le monde arabo-musulman surtout, c'est le fameux discours du Caire du président Obama. Et dans ce discours, le président a parlé du conflit israélo-palestinien. Et il explique que pour relancer le processus de paix dans la région, il fallait arrêter les colonisations juives en Palestine, un appel auquel Israël est resté sourd. Alors comment les États-Unis peuvent-ils mettre la pression sur Israël pour mettre justement un terme à ces colonisations ? Les États-Unis d'Amérique exercent une pression constante aux deux parties de ce conflit, aux Israéliens et aux représentants du peuple palestinien, avant que ceux-ci ne se mettent autour de la même table. Vous avez raison, le président a parlé de la nécessité de geler tout le programme de colonisation et que ce gel était un prérequis pour le processus de négociation. La réaction israélienne a tout simplement traité du gel de la plupart des colonies, mais particulièrement celles dans la région de Jérusalem, mais pas toutes. Et donc je dirais en fait que c'est une réaction qui ne satisfait pas la norme
établie par le président Obama, mais définitivement, il nous faudrait en fait œuvrer pour résoudre ce problème grâce à l'adoption d'une démarche exhaustive. Et je crois en fait, comme l'a dit le président, qu'il devrait y avoir un gel sur les colonies. Il faudrait aussi voir comment est-ce que les différentes fois, traiteraient de leurs droits de culte dans la ville de Jérusalem. Maintenant, monsieur l'ambassadeur, si vous le voulez bien, nous allons parler du Maroc avec tout d'abord la question du Sahara. Quelle est aujourd'hui la position des États-Unis vis-à-vis du dossier du Sahara et de la proposition marocaine d'autonomie ? La position des États-Unis d'Amérique n'a pas changé. Comme cela a été très bien dit par le secrétaire d'État, Mme Clinton, lorsqu'elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères marocain et Sa Majesté le Roi, c'est une position dans le cadre de laquelle nous considérons la proposition d'autonomie ou le projet d'autonomie tel que soumise par le Maroc représente une proposition constructive et qui devrait être considérée avec tout égard par le plus grand sérieux par les Nations Unies. Et encore une fois, sous l'égide des efforts de l'ambassadeur Christopher Ross, les Nations Unies se sont attelées à cette tâche et c'est lui qui doit assumer la responsabilité de ces négociations. Et toutefois, je devrais dire que nous avons la plus grande satisfaction par rapport à la proposition qui a été soumise par le Maroc en tant que base de négociation. Êtes-vous satisfait aujourd'hui des fruits des résultats de l'accord de libre-échange signé entre le Maroc et les États-Unis en 2006 ? Je le suis, mais je crois en fait que le commerce devrait être développé davantage. Nous avons accru notre volume de quelque 300%, nos exportations vers le Maroc, c'est-à-dire, et le Maroc a multiplié ou bien a augmenté ses exportations de 200% vers les États-Unis d'Amérique. Il nous faudrait en fait réduire cet écart pour servir nos intérêts. Il faudrait aussi augmenter nos exportations. Et nous sommes en train d'œuvrer pour aider à réaliser cet objectif. L'USAID a mis en place un programme pour aider les exportateurs marocains afin d'augmenter leur part de marché en Amérique et en particulier aussi pour les autres pays du monde en général. Et nous sommes aussi en train d'œuvrer dans le cadre de la MCC pour la mise en œuvre de projets dont le fruit serait des exportations accrues vers les États-Unis d'Amérique. Il ne faudrait pas considérer cet accord de libre-échange en abstraction de ces éléments, mais il faudrait toujours, je pense, souligner l'importance des efforts qui sont faits au niveau individuel. Ma toute dernière question, monsieur l'ambassadeur, il y a quelques jours, le camp démocrate, le parti de Barack Obama et le vôtre, a connu une grande défaite puisque le parti a perdu sa super majorité au Sénat avec la victoire du républicain Scott Brown. Une victoire donc au siège du défunt sénateur démocrate Ted Kennedy dans le Massachusetts. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la réforme de santé chère à Barack Obama a des chances de voir le jour ? I hope so. The election in Massachusetts was a disappointment. Je l'espère. L'élection dans l'État du Massachusetts a été une déception, indubitablement. Toutefois, je crois qu'il y a des gens à Washington DC qui croient, comme je le fais d'ailleurs, que la réforme du secteur de la santé aux États-Unis représente une problématique critique auquel nous sommes confrontés en Amérique. En plus, bien sûr, des autres problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés, nous avons un système qui reste handicapé. Vous avez beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avoir une police d'assurance en termes médicaux pour assurer leur couverture médicale. Il y a aussi d'autres personnes qui ont une précondition, donc qui souffriraient d'un cancer ou bien d'une maladie chronique qui ne pourraient pas bénéficier de cette couverture. Cette couverture devrait comprendre tous les citoyens américains. Mais toutefois, j'aimerais dire que si la proposition qui est soumise aux deux chambres du Sénat et du Congrès, on devrait en fait couvrir 33 millions de citoyens américains, ce qui représente approximativement la population du Royaume du Maroc. Samuel Kaplan, ambassadeur des États-Unis au Maroc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Thank you very much.